C'est le 21e épisode. Et donc j'avais dit, c'est marrant ce petit coin, que tout compte fait, peut-être qu'il faut que j'aille voir par là-bas en premier. Et donc je suis toujours dans la grotte des rocs flottants, qui est située à l'extrême nord-est de la carte. Alors c'était par où? C'était là? Non. Et en fait, pour y accéder à la grotte des rocs flottants, il faut non seulement avoir la clé d'os, mais il faut aussi parcourir le monde d'une façon bien tordue, parce qu'il faut passer par les quatre coins au sens propre du monde, vu qu'ils sont connectés. Oula, ça va faire mal de passer par là. Par là, y'a quoi? Y'a rien. Bon, allez, on va prendre la lance. Y'a vraiment rien. Il me donne même pas un coffre. J'aime pas les impasses. En fait, je suis obligé de reprendre l'étoile. Bon, on va sauvegarder et on va prier. Aïe, 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 j'ai mal, aïe, purée. Oh, ouh la vache. Comment ça se fait que je suis passé de 3 à 2, ça doit vouloir dire que c'est pas la lave qui m'a blessé à la fin, c'est les ennemis. Je n'irai pas chercher ce coffre. Alors, une clé. Ah, j'ai plus que 4 clés déjà. Pourtant, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Alors là, s'il n'y a rien dans cette salle, franchement, je serais dégoûté. J'espère qu'il y aura un coffre et que ce sera un truc bien. Coffre Zeus. Ouh, alors ça ressemble à un truc bien. Une nouvelle hache. J'ai 3 haches maintenant. Zeus 92. Et d'ailleurs, je me souviens déjà plus. La lance c'était 90. Donc légèrement plus puissant encore. Allez, on va refranchir la lave, puisqu'on n'a pas le choix. Ma hache ne marche pas du tout sur ces bestioles-là. Magie de la vie. Ensuite, sauvegarde. Et ensuite, on fonce. Aïe, oups, raté. Ça va, ça passe. Alors, on va prendre l'étoile, puisque de toute manière, il faut repéter le mur. Tac. Eux, je m'en occupe pas. Et donc, on va retourner là où on était au début de l'épisode. Tiens, bah on va tester la hache sur eux. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je vais la mettre là. Ouh, ça marche bien. Et sur eux? Sur eux, ça marche pas. Donc pour eux, il faut conserver la lance. Donc, on va prendre la force. Allons-y.
Voilà, donc c'est là qu'on en était. Je teste tous les murs maintenant. Ah oui, je me souviens ce qu'il m'a dit le sage Siba sur cette caverne. Il m'a dit que c'est ici que j'aurai Excalibur. Ou en tout cas l'épée légendaire. Ok, donc tout ça c'est très bien, mais j'ai raté une... J'ai pas tout visité. Ils sont coriaces, hein, ceux-là. Alors, le plan. Ça commence à devenir complexe. Une fontaine. Ça fait toujours plaisir. En plus, la fontaine, ça redonne toute la vie et toute la magie. Je pensais que c'était juste la vie, mais ça redonne même toute la magie. Donc, c'est l'occasion parfaite pour une petite sauvegarde. Alors, retour en arrière. Oui, meurs. Bon allez, je laisse. Non, c'est bon. Hop. Et donc, c'était là que j'étais pas allé à droite ici. Ok, si ça se trouve, il y avait absolument rien. De toute façon, ici, il n'y a rien, puisque je suis déjà allé dans la salle à droite. Voilà, tout ça pour ça. Mais bon, je pouvais pas savoir. Hein. Alors, le plan. On va essayer d'être méthodique, on va commencer par là. C'est fermé. Alors du coup, changement de plan. Déjà, récupérer notre vie. Re-sauvegarder. Aïe! Et on va aller finalement par là d'abord. Oula. Fermé. Je sens que je vais être coincé à cause des clés parce que j'en ai pas racheté. J'en ai plus que 3. Ça, c'est vraiment pas cool. Cristal, je veux bien que tu me donnes une clé plutôt. Non.
Non, c'est pas l'objet qu'il me faut. C'est la magie. Magie du soin. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ici? Et là... Bon bah, y'a rien. On va devoir commencer à dépenser des clés. Et du coup, j'ai un peu peur. Ah tiens, je vais sauvegarder juste là. Comme ça, je pourrais récupérer ma clé s'il faut. Alors, qu'est-ce qu'on a sous ces rochers? Je parie qu'on va trouver un escalier. Gagné! Alors, sauf que avant d'aller le voir, je vais aller par là-haut. Visiter la deuxième porte verrouillée. Donc logiquement j'ai plus qu'une clé, voilà. X et R. Aïe. Trop d'objets bien sûr. On va prendre un petit peu de vie. Ça, ça ressemble à une belle impasse. Aïe. Je vais utiliser un objet. Juste pour prendre le coffre, parce qu'on sait jamais des fois que ce soit une clé. Oh, une clé. Même la clé. Je pense qu'ils font exprès, à mon avis. Quand on commence à être à court, ils nous en donnent. Parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Ils sont trop gentils, ces monstres. Et donc, c'était par là? C'était par où? Non, c'était par en bas encore, ça. Oui, c'est ça. Attendez, il y a quelque chose que j'ai pas compris. D'accord. Donc c'était par là, en fait. D'ailleurs, j'ai re-sauvegardé. J'ai gagné les clés, ça peut servir. Ils sont trop longs à tuer, ceux-là. Je les tue quand même parce que ça me fait des points d'expérience, hein, comme toujours. Ah. X et R. Et donc là, c'était par ici qu'il fallait aller. Trois portes. Ça ressemble le coup du il y a une porte qui va mener à l'autre, à une des autres, et puis la troisième, ça sera la bonne. Dans le noir. Alors c'est bon de prendre de la vie. J'ai plus beaucoup des X vie. J'en ai encore 3. Bon, c'est pas grave puisque de toute façon j'ai toujours la magie de la vie. Alors est-ce qu'il y a quelque chose ici? Il y a rien. Et là,
Y'a rien. Toi, tu vas pas m'échapper. Voilà. Eh non, tu vas pas me pousser dans la lave. Parce que la lave, ça brûle quand même. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ça brûle. Et voilà, et bien sûr, je vais me retrouver dans la porte du milieu. Et puis, la bonne porte, ça aura été celle de droite. Et voilà, exactement. Bon, du coup, on va sauvegarder ici. Voilà. Même pas le coffre. Là, je vais le prendre parce qu'il me bloque le passage. Éther. Ah, une impasse. Aïe. Et ouais, une impasse. Ah non, faut peut-être pas que je les tue. Encore des histoires de bonhommes de neige. Bah du coup, je vais sortir, je vais faire deux bonhommes de neige. Éteint. Vas-y, vas-y, monte. Mince. Il est pas bien placé, lui. Mais c'est malin. Comment je fais après? Ah c'est bon, l'escalier reste. Et voilà probablement le boss. Alors, on va préparer notre... On va faire nos préparatifs pour le boss. Déjà, magie de la vie, hop, hop, hop. Ensuite, on va prendre la meilleure arme. Celle qu'on a obtenue il n'y a pas longtemps. Oups, tant pis. Oh, il est pas beau. Oula. Oui, en plus il a l'air méchant. Eh, hey, tu vas faire ça longtemps? Ah, je peux l'attaquer pendant qu'il fait ça. Bon bah allez, technique bourrin. Il ne fait pas souvent l'honneur de nous montrer sa tête quand même, hein. C'est pas très très poli. Allez.
Ça y est, ma théorie, c'était pas très dur. Iflit. Et j'ai rouille. Qu'est-ce que c'est que ça? L'épée de rouille. Est-ce que c'est Excalibur? C'est pas dit. Ah ouf, je ressors ici directement, heureusement. Emmène ton chocobon avec toi. Oui! Chocobon, j'ai dit. Est-ce qu'il y avait une auberge dans le coin? Je sais plus. Allez, ce que je vais faire, c'est que... Je vais faire la suite du parcours. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Attendez. Ça fait auberge, non? Ah non, ça fait pas auberge. Alors, je vais acheter... Je voulais acheter des clés, il n'y en a pas. Est-ce que j'ai des trucs à vendre? Cristal. Tout ça, c'est bien. Ok, d'accord. La hache, j'en ai plus besoin. C'est bon. Ah non, je peux pas prendre le chocobo pour faire tout le parcours puisqu'il me faut... Il faut que je pète les cristaux. De toute façon, je vais m'arrêter là puisque ça fait à peu près 20 minutes. Donc, j'achève ces ennemis-là. Et... Ah, niveau supérieur. Ça tombe super bien. Tiens, volonté, ça fait longtemps. Ça tombe super bien puisque on va s'arrêter. Foudre. On s'en fiche de la foudre. Mince, bon allez, je sauvegarde. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Et à demain pour le prochain. Salut!